Bonsoir les amis, c'est Chris La Parole. Bon, là c'est la vidéo bivouac bushcraft. Donc là, je suis dans la première partie qu'on avait montée tout au départ avec Chris Marlow. Donc là on est au camp. Voilà. Et après on a agrandi. On a agrandi. Bon, il y a du monde qui fait du kayak. On a agrandi. Grave agrandi. Voilà. Alors, je vais vous faire voir. Je parle doucement parce qu'il y a des personnes qui font du kayak juste en bas. On ne me voit pas, mais il suffit de pas grand chose non plus. Enfin, bon, ça fait des mois que ça fonctionne et on n'est pas emmerdé. Donc, je vais vous faire voir là l'endroit où on va se baigner. Là, c'est l'échelle, vous avez vu, pour aller. Pour aller là-haut, voilà, comme ça vous allez là-haut et puis ça fait les couchages. Alors là on va sortir, hop, et on va aller, et ben on va aller à l'endroit où je me baigne. Alors bon, c'est vrai, mis à part que j'ai été un peu déçu que mes anciennes vidéos n'étaient pas plus que ça partagées. Pourtant c'est super important. Donc c'est vrai que j'étais un peu en retrait par rapport à YouTube, etc. Et aussi le fait que on raconte pas que des choses tristes. Hein. Ben voilà, ça me fait bizarre de dire ça, mais bon, ça va être sympa. Le temps de faire la route, parce qu'il y a de la route pour aller jusqu'à l'endroit où je me lave. Alors, au cours d'un de mes chantiers, un truc qui n'était pas prévu, j'ai dû monter pour faire quelque chose sur mon chantier. Donc j'ai dû monter, et finalement j'ai intervenu dans le balcon, dans la terrasse d'une personne. Cette femme est sortie du balcon. Elle était surprise. J'ai été surpris. Et finalement, il y a eu un coup de foudre. Hein. Que voulez-vous que je vous dise, hein. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il y a eu un coup de foudre et voilà. Et du coup, dès l'instant où on s'est vu, j'ai vécu chez elle. On ne pouvait pas se séparer. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi, le week-end dernier, etc., j'ai pas fait de vidéo sortie, parce que j'ai voulu profiter, normal. Hein. Bon, il y a de la route hein, pour aller se baigner. Donc c'est pour ça que je vous raconte. Merde, je me suis planté de chemin. Alors en plus de ça, on est mal barré. Hein. Donc voilà, non, en même temps, c'était une aparté pour vous dire ça. Donc voilà. C'était pas prévu. Elle aussi n'avait pas prévu ceci. Et finalement, hein. Bon, bah, voilà. Donc là, on va arriver à l'endroit où je me lave. Vous allez voir. Il ne faut pas croire qu'on fait du bushcraft, on est des crasseux. Hein. Là-bas, on a l'autre partie de la rivière, c'est là où on fait la vaisselle. Parce qu'elle est très pratique, elle est juste en bas pour faire la vaisselle. Mais là, par contre, c'est pour se laver. Là, c'est au top pour se laver. Là, c'est au top. Alors, tiens, comment on pourrait faire ça? Bon, on peut pas. On peut pas. Mais là, tu vois comment elle est bonne. Tiens, regarde. La preuve en image, mes amis. Ah, au fait, tiens. Gryffondor sur Discord, la chaîne des résistants, une chaîne internet résistant où j'y suis également. Bien tes vidéos pour... Mais pourquoi j'enlève ça? Je m'en fous. Je voulais enlever les chaussettes au départ. Gryffondor, bien la vidéo pour faire comprendre qu'au mois de septembre il faut se bouger. Hein. Bien joué. Donc bon,
mis à part ça. Voilà l'endroit où la baignoire. Je fais gaffe parce qu'en plus j'ai carrément foudroyé le bordel là, il est carrément mort. Donc j'espère qu'il ne fera pas tomber le portable. Regardez, mais l'eau elle est méga bonne. La vie de moi, elle est trop bonne. Donc oui, on fait du bushcraft, du bivouac et tout. Mais t'inquiète, on reste propre, on sait faire notre vaisselle, on sait se laver, on sait. Justement, on sélectionne les endroits où on bivouac, où on bushcraft. Là où il y a des réserves d'eau, toujours. Voilà, regardez. C'est pas la belle vie, ça, franchement. Au milieu de la rivière. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous souhaiter une bonne soirée. Cela, je vais rentrer. Je vais rentrer au terrain. J'ai déjà tout préparé, tu me diras en même temps, mais bon. Je crois que je vais pas tarder à faire la grillade. La préparer. Et puis après, voilà, tranquillement. Petite soirée pépère. Dans la nature, au frais, au calme surtout. Enfin voilà, c'est super cool. Voilà le paysage, quand tu te laves. C'est pas classe, franchement. Et c'est gratuit. Oh, c'est gratuit, la vie de ma mère. Je te jure, j'ai rien payé. Pas de caution, rien, on m'a même pas demandé ma carte d'identité. Je te jure. Je suis venu avec le canoë kayak, j'ai jeté le canoë kayak en haut. J'ai coupé deux, trois trucs d'arbres. J'ai récupéré du bois qu'a vécu. Et voilà. Que tu que je te dise. Et c'est au top. La vie de moi, c'est au top. Faites-en autant. Hein. Franchement, faites-vous plaisir. Hein. Partez à l'aventure. Hein. Si vous avez peur, allez avec des personnes qui en font. Ou etc., je sais pas, mais faites-le. Franchement, c'est un super délire. Hein. Tu décompresses. Hein. Ah là, ta semaine de travail et tout, tu l'évacues. Hein. Tu revis. Tu évacues tout ça. Tu es loin de tout ça. T'es loin, mais à loin. Ben voilà quoi, c'est la petite vidéo de la soirée avant d'aller manger. Voilà, et la guernouille, et une chatte guernouille là. Ouais, il y a un peu du nord, je suis un peu de tous les pays de la France, hein. Je viens de partout de la France, moi. J'ai vécu partout, donc je... Hein, le ch'ti et tout ça, je t'en parle aussi, moi, t'inquiète. Non, mais bon, bref, allez les gars, passez une bonne soirée. Ciao.